au départ, en 92, ça avait été très très pourri à faire la moisson, donc des bottes étaient un petit peu collées. Bon, après, il fallait remuer la plus grande partie à la main, et donc ça ne collait pas non plus. Il fallait trouver une solution, et pas trop cher surtout, quoi. Je suis parti sur un ancien monte-charge à paille, avec un essieu de voiture, c'est un essieu d'air-douce dessous, et un moyeu de fourgon, autrement pour la turbine. Le fonctionnement est assez simple, le rotor est entraîné par la prise de force et le tapis est entraîné par un moteur hydraulique, donc on peut le faire tourner dans les deux sens. Et la goulotte, c'est vers un simple effet en fin de compte, il y a un retour par un ressort. On fait 5 bics par jour à peu près et sur une année, c'est entre 1000 et 1200 bics qui passent dedans. Cette machine, donc en 92, ça coûtait à peu près 50 francs, maintenant ce serait 50 euros. Le temps passé à la fabrication, c'est surtout de nuit, quand c'était vraiment calme pour le faire. Bon, ça a été sous 8-10 jours, grosso modo, quoi.